trois hommes du Nord, très grands et forts, viennent d'arriver, quartier Saint-Gervais. Ils viennent pour couper du bois, car ce sont des coupeurs de bois, ils aiment bien couper du bois, ça fait des bras. Ils vont partir, forêt du thé, où leur patron, qui est fort comme un tronc, les paye pour couper du bois, de l'oseille pour couper du bois, surveille ses coupeurs de bois, c'est bien son droit. Là qu'ils s'installent, dans la grande salle de la taverne du père Saliverne, en s'écriant « Tonnerre de bois, crénon de bois, servez-nous-en l'humain d'arbois !» C'est ça qu'on voit. Avec l'argent des coupes de bois, on se paiera une gueule de bois. Est-ce la boisson ou la passion qui change le ton, leur conversation? Mais v'là que nos forts coupeurs de bois ne sont plus d'accord. Et pouvez-vous me dire pourquoi ils se battent à mort pour une espèce de je ne sais quoi, une fille de joie? La fille a peur des trois coupeurs, puis elle s'en va avec un autre gars, un vrai vaurien que celui-là de coupeur de bois, qui ne disait rien, mais n'en pensait pas plus, je crois, et qui le lendemain, pendant qu'elle dormait dans ses bras, fou, l'étrangla. On soupçonna nos trois amis d'assassinat, de crime commis. Un juge novice nommé Dubois les condamna au bois de justice, de drôle de bois que ces bois-là. Cruel supplice, leur tête coupée roulèrent dans la sciure de bois. Vous qui écoutez cette terre chantée, je vois, vous n'y croyez pas. Je l'ai pourtant lu dans la revue des coupeurs de bois. C'est une revue très passionnante et bonne, ma foi. Dans la forêt, chacun l'achète, vous la trouverez peut-être chez Hachette. On ne fait pas mieux, comme dans le noir, quand il s'agit de coupeurs de bois. Bravo!